C'est comme ça que je voulais commencer ce Québec rando hivernal. Longtemps qu'on s'était pas vu. Oui. Fallait que ça sorte. Bon, on s'habille. Oui, oui. C'est tout. Ou on se déshabille, un des deux. Eh ben! C'est ainsi que la rando commence officiellement dans le parc du Mont-Tremblant, dans les Laurentides. Et aujourd'hui, Jay, accompagné du King de la rando, part à l'ascension du Mont Nexun. On parle de... d'une montagne dans le parc du Mont-Tremblant! Oui! OK, on parle de 8 km de randonnée, une belle boucle qui se fait sur environ 3 heures. 3 heures, là, heure de l'Est, là. Mais on avance l'heure tantôt, hein? Ouais, fait qu'on devient à l'heure avancée. Fait que c'est 4 heures de rando. Bon, ben, partons ça tout de suite. Vous voyez que, comme à notre habitude, on va dire un peu n'importe quoi pendant toute l'après-midi. Mais on a commencé ça tard, il est quasiment 1 heure l'après-midi. Il fait beau, il fait pas trop froid. Le ciel est bleu. Hey, c'est beau tout ça. Puis là, on est à 2 mètres. Bon, sur ce. OK, on passe ça. Ciao! That's it! Tout ça en une quinzaine de minutes. Hey, c'est quand même très cool. Ça fait vraiment pas longtemps qu'on a commencé. Et déjà, un très beau point de vue sur le Mont-Tremblant. On est à contre-clarté, par contre, selon Jean-Marc. Donc, les photos sont plus dures à prendre. Mais non, la boucle a commencé. Puis, on voit complètement à droite le sommet du Mont Nexun où on va se rendre. Ça va en être une bonne. Puis, checkez-moi ça. On a vraiment des beaux points de vue. C'est clair. Ah, on se sent épanoui, je pense. On parlait d'une de nos plus belles journées à vie, à date. Et ta vie est plate, mon gars. Mais ça va pas. Je suis mon GM. Tu vois, ça glisse. Et voilà. Wow, wow, wow. Ça arrête ça. Man. L'homme a chaud. Pourquoi tu gardes ton ticket? Ton affaire verte. Ah, oh, on va l'enlever. Mes sorties marquantes avec toi, je veux toujours garder un souvenir. C'est quoi celle-là? C'est Sutton, je pense. Ah, Sutton. C'est quoi? C'est l'antre ou le loup? Traverser le gouffre. Oh, oh, oh. Yes!
c'est parti. Encore une fois, oui, encore une autre aventure. Disons que 2021 part en force. Parce que je pense qu'à pas mal tous les week-ends depuis le début de l'année, on est parti triper pour découvrir des nouvelles places, des nouveaux spots, des nouvelles randos. Et des randonnées au Québec, je vous garantis qu'il y en a une et un autre de spectaculaire. Alors, pour ceux qui trouvent qu'il n'y a pas grand-chose à faire pendant la pandémie, ben je vous dirais que c'est le temps de vous réveiller parce que il n'y a aucune raison de s'ennuyer. C'est ma nouvelle passion sur la glace. Une passion que j'ai découverte cette année. Qu'est-ce que tu peux me dire sur celle-là? Ah, oh, c'est une glace qui date de cette année. Okay. Ouais, tu le vois par la couleur que c'est vraiment... Cette année, c'était une bonne cuvée? Ah, oh, c'est une bonne cuvée, regarde la couleur. Okay. Un petit bleu limpide. C'est de l'eau claire, là. C'est bon. Mais non, tu le vois, ça t'apprend plein de choses. Comme tu sais que l'eau passe par là. Eh ben. Non, mais tu le vois, c'est pas la même qualité, celle-là. Elle date d'une autre époque. L'excitation est à son comble. On est à quelques pas, quelques mètres, peut-être 200 mètres du sommet. On ne sait pas à quoi s'attendre. À quoi tu t'attends? Je m'attends, là. J'aime mieux pas faire d'attente. Puis il a été ébloui sur le coup. On était sûrement une petite idée. Il va avoir quoi? Ben, tous les morts qu'on n'a pas vus, je pense qu'ils vont être tous être là. Ah bon? Oui, c'est vrai, avec toutes les autos. Non, on voit le dernier, la dernière petite montée. Et on va avoir une autre belle vue sur le Mont-Tremblant. Sommet pour les grands explorateurs. C'est une vidéo, ça? Oui. Ah. C'est rare que je parle à une photo. Je dis peut-être qu'il veut créer un lien. Hey, regardez ça, le Mont Tremblant en arrière, le Mont Blanc un peu plus loin, le lac supérieur tout bas. Ah! C'est là qu'il parlait du Mont-Royal. Lui, c'est pas la même chose. Ça s'est par contre refroidi avec le vent. Je vous garantis qu'on restera pas ici longtemps. On a apprécié la vue. Le soleil bien placé. Ah. On excite, Paulin. Ouais, on réussit. Boum! On s'en va. C'est tout. Ouais, ouais. C'est ça, la rando monte, garde deux secondes, gèle, puis redescend. Pourquoi on est ici? C'est le même qu'on descend. Wow. Parce que ça break pas, mais le ça va être malade. Manque de vitesse un peu. Bah, faut le pas, Jean-Marc. Mais là, avec le soleil étincelant qui virevolte sur cette glace sans fin. On a failli perdre, Jean-Marc. Ouais. Mon cœur bat encore. C'est ici que t'as glissé. Moi, tous mes comptes étaient C'est là que je t'ai un peu rattrapé.
puis c'est là que tu t'en allais. Man! Une calotte glaciaire recouvrait cette vallée bien tassée. Qu'est-ce qui tremble dedans? L'histoire de la vie, hein? Les cellules. Celle-là, tu peux la boire. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Long et tout. Eh ben, je sais pas ce que je vais faire avec ce bout-là, mais je vais y penser ce soir en faisant le montage. Long et tout. Lava. Ben oui. T'es sûr? Ben oui. L'arbre était tout petit. Il a poussé en fracturant cette roche. L'hypothèse est bonne. Ah oh, ouais. T'as-tu une autre hypothèse? Je vois pas, non. Puis je pense vraiment fort. Ouais, je t'en surprends. On regarde ça pendant combien de temps? Nous, on aime ça s'arrêter sur les détails de la vie. Oui, c'est ça. Non, je me dis. Ben oui. Regardez-moi ça comme la nature peut faire des belles choses. Une maison extérieure de roche, dans toute sa splendeur. Il n'y a qu'en explorant la vie. Hey, t'es là! Oui, c'est ça. Il n'y a qu'en explorant la nature qu'on peut mieux comprendre la vie sur Terre. Hey, check! Tu peux faire de l'alpiniste? Nice! Finalement, c'est pas si facile que ça, là. À chaque fois que c'est marqué modéré, ben, je pense qu'en faisant tous les petits rallongements, la boucle complète, la montagne du panorama, c'est plus que 8, là. On parle peut-être d'un 10, 11 km, là. Ça fait plus de 3 heures. C'est à peu près ça qu'on voulait faire, un 3 heures, 3h30. Mais on est fatigué. On est fatigué. Dernier pas, Jim? Ben oui, dernier pas. On a tout le choix. Ben, tu peux retourner de l'autre bord, mais... Je sais pas comment tu vas t'en aller à la maison. Ah! Un autre beau Québec rando, mon ami! Et voilà. Ah. Non, c'est un bel endroit, honnêtement. J'ai bien aimé ça. Ah, oh. Beau petit pas. Je vais le faire payer. Oui! Bon, ben, dernières images et nous, on va se retrouver dans le véhicule pour le bye-bye final habituel. Pourquoi à chaque fois qu'on est dans l'auto, tu te déboutonnes? Ah. Comme 500 litres. Bon, ben c'est terminé. Une autre montagne, mon GM. Le Mont Nixon. Check! Je pensais que tu voulais que je fasse encore à droite. À droite! À droite! Bon, ben non, une autre belle rando. On vous invite à venir faire un tour ici. Sur ce, je te laisse les derniers mots, Jean-Marc. Moi, je me prépare à conduire. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Hein? C'est vrai, quelques mois. Ouais. Mais pandémie exige. On peut pas. Non, c'est ça. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? On peut attendre un autre 5 mois. Pour la prochaine fois. Puis ben. Ça sera pas trop. Likez. Cliquez. Partagez. Y'a pas de pompe, là. Cliquer, il me semble, c'est là. Là. Le pouce, c'est comme genre. Bon, salut. Ciao, bye.